Attention les stations fréquences, attention les stations fréquences pour le QSO national de Canal 27 avec le forum Les Ondes du Routier ainsi que la planète civile francophone. Les bonnes sur 13, 51 voteuses de la part de Dundee 33, est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Oui, bonjour à droite, 73, 51, le 14, Victor Rico 27, 14, VR027, l'opérateur Eric, on vous écoute, vous salue à tous. Oui, enregistrer la station que j'ai entendue derrière, en même temps, les 2073, 51 Eric. Eh bien, je sais pas ce que ça va donner ce soir, il y a une espèce de propagation. Là, il y a 5 minutes, là, c'était vraiment pas gagné. Hein. J'étais moustaché de tous les côtés, ça m'arrivait à donf. Hein. Il y a une autre station qui arrive en même temps que toi, Eric, en avant la station. Bonjour Eric, bonjour Dandy et Jean-Paul. Allez, bonne 73 à vous deux. Allez, d'amitié à vos cœurs. Merci. Alors, pour commencer cette première demi-heure, eh bien, comme à chaque fois, une petite vidéo, voilà, pour motiver les EM qui verront ça à venir faire de leur côté le QSO. Alors, comment allez-vous? Disons que j'étais à l'écoute depuis un petit moment, mais ça va bien, bien sûr que ça va bien. Voilà, pendant que mon ordi passe à l'antivirus, j'ai le temps de discuter un petit peu. Voilà, donc tout va bien, tout va bien, tout va bien, il n'y a aucun problème. Moi, 73 Eric et le micro de retour. Ok, retour de micro sur Eric. Oui, j'ai entendu parler, mais je ne sais pas qui s'est manifesté, donc j'étais là. Ok, c'est Jean-Paul Saint-Émilion. Ah, mais Jean-Paul, alors là, ce soir, c'est zéro pour moi, pratiquement zéro. Ah, ben moi, j'ai pas de QR, moi, pas un vrai. Pas un vrai, je t'envoie, ouais, une centaine de watts. Donc ça devrait passer un petit peu, mais je peux mettre le deuxième compresseur, mais pour attends, je vais regarder ça de près, bouge pas, voilà, donc je t'envoie une centaine de watts, je disais, et je vais mettre le deuxième compresseur, voilà, donc est-ce que tu m'entends bien Eric? Eh bien, il me semble que tu m'arrives plus faible que d'habitude. Je crois que c'est un Santiago 7. Ah, la radio est toujours aussi percutante, il n'y a pas de problème. Attends, reprends le micro là, Jean-Paul, là, que je regarde ça. Oui, ok. Ah, ben oui, il y a le compresseur du micro et le compresseur du transceiver. Donc, il n'y a pas de problème. Je t'envoie, attends, je vais te dire ça. Hein. Je vais te dire ça exactement. Allô, ouais, j'envoie une centaine de watts. Une centaine de watts, et je ne sais pas comment est la radio. Bon, c'est peut-être un peu plus fort. C'est sûrement plus fort, c'est voulu. Hein. C'est voulu qu'il y ait un peu de QRM. Tu mets le deuxième et ça fait. La voix passe de loin, ça passe plus fort. Mais maintenant, si Eric ne m'entend pas à Bordeaux, c'est qu'il va avoir des QRM. Moi, j'ai rien. J'ai absolument pas un QRM. Les atténuateurs sont sortis, les filtres sont sortis. J'ai pas moins de QRM. Ok, ouais, ben toi, de mon côté, si d'habitude tu m'arrives, je sais plus, sur 9 plus 10, il me semble. Je crois que ça doit être autour de ça. Là, c'est un Santiago 7. Tu serais pas sur la directive, des fois? Attends, je regarde. Ah, si. Ok, bon, Eric, c'est normal, Jean-Paul était sur la directive. Ouais, ça va mieux, Eric, par là. Est-ce que tu m'entends mieux, là? Mais là, il faut que je me règle, là, parce que là, j'ai plus de watts, hein. Tu me casses tout, là, ce coup-ci. Hachi! Attends, mais je vais régler, excusez-moi. Ah, mais il n'y a pas de problème, tu m'arrives à plus 30. Voilà, là, pour le dernier passage, là, c'était à plus 30. Bon, Eric, ce coup-ci, là, tu dois arriver à l'entendre. Affirmatif, les invités Jean-Paul, oui,
je le reçois un petit peu plus, mais c'est un petit peu moins fort que hier quand même, voilà. Je vais le laisser faire ses petits réglages, et je pense qu'après, il ne devrait pas y avoir de problème. Oh ouais, non mais en plus, vu sa station, forcément, il n'était pas sur la bonne antenne, quoi, pour du local. Hein. Bon alors Eric, voilà, en attendant le retour de Jean-Paul, as-tu fait des bons contacts aujourd'hui? J'ai des petits cousins encore, ouais, y a pas de problème. Hein. J'ai fait long QSO avec Gilles en début d'après-midi. Ils étaient avec Alain aussi et puis Roger, qui sont dans le même secteur que Gilles, là, sur Gatineau et puis dans le coin, quoi. Ben, oui, ça passait très très fort et tout, y a pas de problème, voilà. J'ai vu les petites vidéos qu'il a mis aussi, voilà, donc j'ai laissé un petit message et puis je l'ai remercié. C'était vraiment sympathique, hein. voilà. Allez, à toi, Rémi. Ok, alors, attends, je suis en train de regarder un truc. Ah, la vidéo est la même qu'une autre que vous avez déjà mis en ligne. Bon, d'accord, j'en connais un qui a dû se mélanger les crayons. Bon, c'est pas grave. Je lui dirai à l'occasion. Ok. Oui, ben là, je suis en train de charger des vidéos également. Mais ça, c'est carrément autre chose. C'est des vidéos de pour quelqu'un d'autre. À de retour. Ok, voilà, vas-y Jean-Paul. Ok Eric, est-ce que tu m'entends là, cette fois? Ok Jean-Paul, mais là c'est le jour et la nuit par rapport à tout à l'heure, mais oui, il n'y a aucun problème, là c'est bon. Je vais t'envoyer les amitiés et là ça va, il n'y a aucun problème. Ok, les amitiés Eric, les bonnes amitiés à la maison aussi. Voilà, donc j'étais en directive, hein. J'étais en directive, il a fallu que je me règle, j'avais pas fait attention vu que j'étais à l'écoute de William, je m'étais mis en directive, j'avais réglé la directive pour les Canadiens, donc ça n'a pas passé longtemps, encore aujourd'hui, mais ça a passé encore un peu. Voilà, donc c'est pour ça que j'étais encore en directive. Voilà, donc tout simplement. Voilà, mais je t'attendais quand même à la directive, alors et pourtant je suis tourné plein nord. Je suis tourné plein nord, donc oui. Tu vois, elle fonctionne quand même puisque je t'attendais un petit peu. Ok, mais pas de problème, non, mais là, ça va, là, c'est l'eau sous sale, comme on dit, voilà. Si. Bon, on va laisser un petit blanc, des fois qu'il y aurait les autres stations qui se manifestent. Mais je ne vais pas rester longtemps avec elle, je ne reste pas longtemps, le temps que ça finisse mon antivirus, là, et puis je repars. Hein. Donc je suis en train de bricoler à l'ordinateur et c'est pas trop évident. Hein. C'est pas trop évident de discuter et puis de suivre en mesure. Un conseil, j'espère que sur l'ordinateur, t'as pas mis Windows 10. Non, t'inquiète pas, je suis là, ma femme aussi, avec elle, elle a le Windows 10, mais mis par mon beau-frère qui est informaticien. Et elle a la moins de problèmes que moi, c'est sur le 7, c'est bizarre. Hein. En plus, elle a même pas l'antivirus, il lui a réglé tous les trucs, mais bon. Mais enfin, disons que je sais ce qui se passe sur Windows 10. Il épie tout ce que tu fais, ça je le sais. Hein. Je le sais, j'ai vu une notice là-dessus, mais elle ne t'échange pas, elle reste dans ses jeux, elle va pas aucune part, on fait tout avec le meilleur principe. Ouais, mais à mon avis, t'es pas au courant, alors t'es vraiment pas au courant, t'as pas vu les actualités, voilà. Parce que si t'avais vu les actualités, il y aurait longtemps que tu l'aurais supprimé, Windows 10, voilà. Donc pour info, je vais envoyer un petit lien de YouTube avec qui parle de Windows 10, voilà. Il y a une enquête qui a été faite par les Allemands, et
à mon avis, quand tu vas voir la vidéo, tu vas vite le supprimer, hein, parce que là, tu vas avoir, enfin, vous allez avoir d'énormes surprises. Hein, voilà. Hein. Donc, je vais envoyer un lien à Rémi qui va mettre sur son site concernant Windows 10, que tout le monde soit au courant, parce que je pense que vous allez avoir d'énormes surprises quand vous allez voir la vidéo. Quoi, voilà. Hein. C'est une vidéo, ouais, non trafiquée, une enquête qui a été établie par une société allemande. Et à mon avis, vous allez avoir très très peur quand vous allez le voir. Donc à mon avis, si vous l'avez installé, vous allez vite l'enlever. Voilà. Je ferai communiquer le lien. D'ailleurs, ben, le lien, je vais le mettre sur le forum. Ça va être plus simple. Je vais mettre le lien de YouTube sur le forum. Et vous allez vite enlever ça parce que vous allez vite comprendre. Voilà. À toi, retour Rémi. Ok, ben ça tombe bien parce que je l'ai pris la mise à jour. Au niveau fonctionnement, j'ai quelques soucis, j'ai des programmes qui ne fonctionnent plus, j'ai quelques bugs, il ne démarre pas correctement à tous les coups, j'ai la fonction recherche là en bas sur la barre de tâches qui a cessé de fonctionner au bout du troisième coup. Qu'est-ce que j'oublie encore? Je suis sûr que j'oublie des trucs. bon, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai que il n'est pas au mieux de sa forme. C'est clair. C'est peut mieux faire. Il n'y a pas de problème. Hein. Je reprends là, parce que là vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. S'il y avait que ça c'est de la rigolade. C'est que, en installant Windows 10, sur le monde, Microsoft, et vous allez voir la vidéo, a accès à tous vos comptes bancaires, toutes vos informations personnelles à l'intérieur. C'est plus grave que ça, c'est quand je vous le dis. Hein. C'est énorme, quoi. Ça fait un bug impressionnant. Hein. Ouais, mais bon, tu sais, il y en a toujours qui se plaisent à exagérer la réalité, histoire de faire le buzz, tout simplement, quoi. Alors, dans des trucs comme ça, t'auras toujours à boire et à manger, quoi. Après, faut voir. Il faut du concret. Il faut être sûr parce que une vidéo, tu fais ce que tu veux avec une vidéo. Hein. Voilà. Hein. Surtout ces gens-là, hein, ils ont l'art et la manière de pouvoir faire ce qu'ils veulent avec. Hein. Tu m'as pas compris, Rémi, c'est pas quelqu'un qui l'a fait. C'est une enquête qui a été menée, c'est passé sur le journal télévisé allemand, et c'est pas une connerie, c'est un truc officiel. C'est passé sur le journal télévisé d'Allemagne, hein. Enfin, tu verras, c'est traduit en français, mais c'est vraiment officiel. C'était fait par des experts. Hein. C'est pas quelqu'un qui a mis cette vidéo sur YouTube, ta. C'est pas une connerie, c'est un truc vraiment officiel. Je prends 2 minutes et je vous le mets le lien, parce que c'est vraiment important. Ouais, ben écoute, j'ai les grecs qui là, la feuille de bug, là, ça fait plus d'un mois et demi qu'elle a. C'est vrai que j'ai entendu dire beaucoup de choses sur ce Windows 10. Moi, je l'ai mis, ça m'avait sorti la moitié des choses, alors je suis revenu au Windows 7. Mais si ça a accès au compte bancaire, je lui ai sorti de l'effacer son compte bancaire. Et puis de plus en parler, elle a que ça dessus, elle. Hein. Elle a que son compte bancaire, donc elle va l'effacer et puis elle fera sur le mien, c'est pas grave. Ouais, moi je préfère y aller avec prudence, moi, là-dessus. Et puis, voir s'il y a plusieurs sons de cloche, quoi. Voilà, surtout. Un son de cloche, bon, je me méfie un peu. Plusieurs sons de cloche identiques, bon, ben là, ouais, effectivement. Mais bon, c'est vrai qu'il m'a déjà supprimé là des trucs là au niveau programme, des trucs comme ça. Si je l'enlève, là, de mon côté, c'est pas gagné. Je sais pas ce que ça pourrait donner, quoi. Et disons que si tu l'enlèves, ton Windows 10, ben, tu refais le Windows 7, hein. Ou le Windows 8, je sais pas lequel c'est que tu avais. Ça te ramène sur le Windows que tu avais avant, hein. Et puis, c'est tout, ça te sort un peu quelques bricoles sur le Windows, mais t'as plus qu'à les remettre, c'est pas trop important. Hein. Moi, je l'ai enlevé, et puis,
Et puis je suis revenu à Windows 7, j'ai formaté le disque et j'ai remis le Windows 7. Hein. Alors, pas d'histoire, quand j'ai compris que ça m'avait enlevé toutes mes photos, tous mes trucs, tout ce que je n'avais pas dû toucher, ça m'a sorti, alors là, je l'ai abandonné carrément. Voilà, moi je sais que je l'ai abandonné carrément le Windows 7. Il y a que les écoles, mais elle n'a rien dedans. Elle a son compte bancaire, mais bon, si c'est que le compte bancaire, on va le supprimer et puis pas à la ligne. Voilà, donc vaut mieux tenir que courir, hein, parce que si c'est vraiment vrai, parce que j'ai entendu parler un peu de partout, si j'ai vu des forums où ils en discutaient, j'ai vu pas mal d'endroits où ils en discutaient. Et tout le monde ne peut pas avoir tort, hein, c'est pas possible. Vaut mieux agir en prudence et puis oublier un peu ce truc-là, quoi. Ouais, ouais, bon, mais je suppose que quelque part, quelqu'un a dû trouver une clé, un code, pour pouvoir le désactiver, j'imagine. Ouais, faire une petite recherche là-dessus, quoi. Parce que, à l'origine, oui, j'étais sur Windows 7, hein. Et là aussi, hein, il y avait un mouchard qui balançait des infos et tout, des infos personnelles. Et très rapidement sur Internet, j'avais trouvé une clé pour désactiver ce mouchard. Je suppose que si c'est pas déjà fait, quelqu'un va trouver la solution pour le désactiver, quoi. Bien planqué dans mon Windows 7, hein. J'ai des antivirus, j'ai des anti-malware, j'ai des anti-trucs, j'en ai même un peu trop d'ailleurs, parce que par moment il m'embête, je peux des fois montrer patte blanche partout où je passe, mais enfin c'est aussi bien que s'embêter sans arrêt. Enfin, je trouve que c'est la solution la plus idéale. Voilà, donc avec un choix de trois, on te fait n'importe quoi, hein. On fait n'importe quoi et si t'as pas de quoi le sortir, ben, pendant que tu l'as, ben, ton ordinateur est entièrement visité. Ouais, c'est vrai. Il y a une autre solution, c'est d'installer Linux. Là, t'as pas de problème. Voilà, c'est t'as plus de problème avec tout ça. Par contre, il faut savoir qu'avec Linux, les programmes Windows, eux, tu peux pas les installer. Il faut rester après avec les programmes Linux. Je connais pas. Allez, à toi, Eric. Voilà, ça y est, j'ai mis le lien. Hein. Si vous regardez là le plus rapidement possible, ça je vous garantis, vous allez voir la surprise. Ok, alors pour l'instant, je recopie le lien que je me mets dans le bloc-notes. Hein. Comme ça, là, je vais pas le regarder de suite, là, ça va faire cacophonie et tout, là, avec le QSO. Mais je me sauvegarde le lien, là, pour le moment. Voilà, pendant qu'il y a un petit blanc, est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent participer, là, au QSO du canal 27, là, sur la Gironde? Enfin, Gironde, des départements limitrophes, bien entendu. Apparemment, ça a l'air calme. Ah ben, j'ai eu Fabrice, mais comme il a travaillé tout l'après-midi, il m'a dit que ce soir, il se reposait. Donc, il devait peut-être passer, il m'a dit peut-être, mais ça m'étonnerait, puisqu'il était bien fatigué. Il a été travailler sur une partie de l'après-midi, donc voilà. Même le dimanche, il n'y a pas de repos pour les braves. Ah ça, j'en sais quelque chose, puisque moi aussi. Hein. Voilà, j'ai travaillé toute la journée. Demain, je vais pas débaucher avant 22h. Donc là, ça promet aussi, quoi. Ah, j'ai entendu parler. Oui, la station qui parlait derrière.
comprends rien. Oui, la station, pouvez-vous revenir là, s'il vous plaît? Bon, ben c'est pas grave, effectivement, il y avait un gros décalage. Hein. Ça a été trop court, j'ai pas eu le temps de clarifier, quoi. De mettre l'arrêté, alors. Disons qu'en plus, je me... sur le 6009, le clarifier fonctionne avec le bouton push pour déplacer la virgule, et ce qui fait que là, j'ai pas eu le temps de sauter de l'un à l'autre, là, pour arriver à le trouver, quoi. Si se calme un peu sur nous quand on parle un peu, c'est vrai que c'est pas trop évident, mais enfin, on peut y arriver quand même, hein. Même si je prends celui qui est à côté de moi, notre poste, même qu'il soit froid, je vais arriver à me caler sur tout le monde, hein. Donc là, bon, là, j'ai le décal parce qu'on est en USB, autrement j'aurais le je m'en rappelle plus ce que c'est que j'ai comme poste, là. Le RCI, j'aurai le RCI, ça va bien aussi, hein. Ça peut y avoir autant de watts que dans celui-là, donc il n'y a pas de problème. Ok, bon, en tout cas, là, ça marche bien, là, de mon côté, hein. Là, il n'y a pas de problème, hein. C'est, ça passe suffisamment fort, quoi qu'on est voisins aussi. C'est difficile de faire un vrai report intéressant, puisque là, on est trop près, donc ça passe forcément bien, quoi. Ah, ben oui. Oui, mais si je baisse, Eric ne m'entendra plus. Donc, c'est ça un petit peu l'embêtant. C'est pas grave. C'est ça un petit peu l'embêtant, c'est que quand il y a des personnes un peu plus loin, si tu baisses un peu trop, les autres t'entendent pas, puis ceux qui sont à côté, ils en prennent plein les oreilles, quoi. Je peux te renvoyer l'ascenseur, hein, n'aie pas peur, tu m'arrives fort aussi, hein. Ouais, ben oui, j'imagine. Ouais, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est vrai qu'à moi, peut-être de parler un peu moins fort aussi, parce que c'est vrai que j'ai tendance à pousser un peu la voix à chaque fois que je suis à la radio. Je sais pas pourquoi, c'est une sale manie, quoi. Dès que si je parle normalement, enfin avec quelqu'un qui est en face de moi, il n'y a pas de problème. Mais dès que je suis au micro, c'est faut que je pousse la voix. C'est à croire que je dois avoir peur qu'on m'entende pas, quoi. Je suis trois coups. Ouais, j'ai regardé le S-mètre, là, plus 60, hein. Plus 60 de ce côté, alors tu vois, tu risques rien, hein. Je vais être obligé d'arrêter mon aiguille parce que sinon elle va se tordre. pourtant là je suis qu'à la moitié. C'est vrai que depuis que j'ai refait là, mon câblage électrique là dans la station, bon évidemment ça marche un peu mieux, quoi. Je pourrais peut-être baisser l'écran quand même. Oh, mais tu peux rester là, moi c'est pas un problème, hein. Je vais baisser, je vais mettre un C, puis ça y est, c'est bon, hein. Ouais, non, mais voilà, voilà, là, j'ai baissé un petit peu, ouais, ben, voilà, ok, bon, de toute façon, vu ce que je suis en train de voir, là, sur le wattmètre, Eric doit encore m'entendre, et là, je suis pourtant qu'à la position 2, là, c'est tout, quoi. J'entends le temps, il n'y a pas de souci, enfin, c'est pareil, hein, je suis en pure paix, là, ce soir. Ouais. Eric, tu voulais être sûr qu'on ne le loupe pas ton truc. Là, je suis sur le groupe. Là, tu l'as mis en double. Hachi, c'est pour être sûr de l'avoir en stéréo. Je l'ai mis partout. Ok, d'accord, c'est sympa, quoi. Ouais, ben, je vais adorer ça, là, tout à l'heure. De toute façon, là, j'ai récupéré le lien. Je regarderai ça rapidement, quoi. Ouais, je t'ai dit, vous allez être vraiment surpris, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, là, oui, cet après-midi, je t'ai dit, j'ai le petit cousin, ça, c'est vraiment sympathique, hein.
Ouais, ben hélas, là j'ai pas trop eu le temps. Le temps de rentrer du boulot et tout, ça, c'est. Puis en arrivant, il fallait que je m'occupe d'Harder, là, des vidéos d'hier. Et c'était soit je faisais ça, soit je me mettais en fréquence, mais les deux en même temps, non, là j'ai du mal. Petit cousin est passé fort, oui. Il est passé fort, mais ils n'ont pas passé longtemps. Hein. C'est bien dommage. C'est bien dommage, mais il est passé fort, mais ils n'ont pas passé longtemps. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, plus ça va, plus ça se raccourcit. Plus ça se raccourcit, il y a la propagation italienne, portugaise, tout ce qu'on voudra, ou anglaise. Mais ça, je pense qu'on a affaire à une propagation tournante et je pense que surtout la propagation ne tient pas longtemps dans chaque département ou dans chaque pays. Ben, on n'est qu'au début de la propagation hiver, hein. Là on verra bien on verra bien le mois prochain, puis ainsi de suite. Hein. Là, on n'est vraiment qu'au début. Hein. Je vous tiens, j'ai du matériel que je vais mettre en vente parce que je vais en faire pas, ça doit dans le placard et ça va prendre la place. J'ai des micros de base et tout ça, j'ai tagué MB plus 4, j'ai MB plus 5 et tout ça, si ça intéresse du monde. Ok, t'as eu raison de le faire maintenant, Eric, car il reste plus que 2 minutes là de vidéo, donc comme ça les gens vont pouvoir profiter du message. Ok, ben voilà, de toute façon je mettrai ça sur internet, voilà, donc s'il y a des gens intéressés, contactez 14 Victor et Corel, peut-être, voilà. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Attends, je vois que là, ça... D'accord, ok. Eh bien, tu vois, là, il y a un QSO parallèle sur le chat là, du forum, justement, à propos de ce Windows. Ouais, mais les gens ont tendance à parler surtout des bugs de ce Windows, des bugs. Mais ça, c'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est accès aux données personnelles. Et ils peuvent les retransmettre à qui ils veulent. Dans ton ordinateur, ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent. Ils prennent ce qui les intéresse. Et ça, c'est pas normal. Hop là, j'ai eu un petit couac. Après, au niveau paramètres, il y a peut-être certains trucs, justement, là, qu'on peut décocher, par exemple, non? Comme, je vois, par exemple, voilà, les options de confidentialité. Là, je suis en plein dedans. Bon, là, j'ai quasiment tout désactivé dedans. Hein. Un peu têtu, je dirais. Va regarder la vidéo avant de continuer à me raconter un peu n'importe quoi. Tu comprendras mieux. Il n'y a pas de problème. Je vais la regarder, la vidéo. Il n'y a aucun problème. Alors, la vidéo touche à la fin. On va essayer de voir ça tout à l'heure. Et nous, on va continuer notre QSO. Bonne soirée à vous. Nous, on continue. Bye bye. Merci.